Il y a des Indiens qui sont là. Ils peuvent gifler un Congolais Alekanga! sans qu'il puisse être puni. Il y a des Chinois qui peuvent taper les Congolais. Sans qu'ils puissent être punis. Il y a même des Libanais qui sont là en train de tuer le peuple congolais sans qu'ils puissent être. Punis. Pourquoi toujours? Oh, en tout cas. Je sais pas quoi dire, mais. Happy Independence Day! Donc, 5 ans. Septième anniversaire de notre pays, la RDC, la République dictatoriale au Congo. En tout cas, vraiment, c'est avec joie que je souhaite à tous les Congolais à travers tout le monde, en particulièrement à la République dictatoriale au Congo, un joyeux fête d'indépendance, 57e fête d'indépendance. En tout cas, vraiment, je suis vraiment très content. Hein, dans mon cœur, vraiment, donc, cœur. Nanga, vraiment, il s'appelle Mingi. Mais je dois vous dire une chose. Tout ça, c'est des charabia. C'est des charabia. Pourquoi c'est des charabia? C'est des charabia. Pourquoi c'est des charabia? C'est des charabia. Ah, mais oui. Parce que, imaginez-vous que la RDC, quand nous sommes là, la RDC n'est pas un pays qui est vraiment indépendant. Moi, je ne peux pas dire que la RDC est un pays indépendant. Pourquoi tu dis que la RDC n'est pas un pays indépendant? C'est des charabia. Mais oui, parce que. Nous sommes toujours sous colonisation. On est toujours colonisés, mes chers, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours colonisés. Parce que, sur tout le bien, Nathan, il y a mon bout de coup, ça va encore. Parce que, on a des Zaïrois, vraiment, piquili, vous comprenez. Donc, il y a ma colonisation ici, là, qui est presque dans Nathan. Mais, il faut savoir que, les Zaïrois, vers les années 90, surtout 1997, Congo et Kouakine se sont indépendantes. Pourquoi? Parce que il y a toujours des grandes forces qui nous colonisent. Il y a toujours des grandes forces qui sont en train de nous placer n'importe qui. Il y a toujours des grandes forces qui sont en train de protéger des gens qui ne doivent pas être là, normalement. Je ne peux pas donner les noms. Mais vous devez savoir que notre pays. Notre pays est toujours. Pour un Congolais qui comprend très bien les choses, il va dire que nous ne sommes pas indépendants. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord, de un, nous avons un petit pays qui se trouve pas loin de chez nous, qui nous dirige. Ça nous dirige petit à petit. Ça nous dirige petit à petit, petit à petit. C'est pour cela que même des forces armées, partout, 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 ils nous dirigent. Quoi faire? Donc, cela veut dire que nous sommes indépendants. Non, on n'est pas indépendants. Et de deux, nous avons de grandes forces des pays occidentaux partis par là, pa. Ils nous dirigent. Oui, ils nous dirigent. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme ce monsieur-là, son, je ne sais pas comment on appelle ça, mais son truc était déjà fini. Je ne peux pas dire les mots, parce que si je dis les mots, donc, donc, YouTube va venir, mais d'éclater la porte. Donc, son papier là qu'il avait eu pendant deux tours. Pardon, il a eu au total trois tours. Hein? Il a eu au total trois tours. Alors, il devait déjà partir. Il devait laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais il reste toujours là. Il reste. Sans dire quelque chose au peuple congolais. Sans ne rien dire au peuple congolais, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un peu ça. Alors, pour vous dire couramment, pour tous les Congolais à travers le monde qui disent que joyeux fête d'indépendance, vous pouvez bien le dire si vous voulez peut-être rendre hommage à nos ancêtres qui se sont battus contre les Blancs pour avoir cette indépendance-là, mais malheureusement cette indépendance n'est toujours pas vraiment indépendant, eh bien vous pouvez toujours le faire. Mais pour ceux qui sont en train de fêter, danser, chanter, mais pourquoi vous êtes en train de le faire? Tant qu'il y a encore des femmes à l'est du Congo qui sont tuées, tant qu'il y a encore
plusieurs femmes à l'est du Congo qui sont violées, violentées, agressées par des rebelles qui viennent de l'extérieur du pays. Tant qu'ils sont là en train de tuer nos jeunes filles qui sont là, nos mères, tout autre peuple congolais qui sont à travers tout le pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a des Indiens qui sont là. Ils peuvent gifler un Congolais sans qu'il puisse être puni. Il y a des Chinois qui peuvent taper les Congolais sans qu'ils puissent être punis. Il y a même des Libanais qui sont là en train de tuer le peuple congolais sans qu'ils puissent être punis. Pourquoi toujours la valeur d'un Congolais puisse être pas une grande valeur humaine? Pourquoi? Pour annihiler tout ça, nous sommes la valeur de. Maram, nous sommes les gens qui sont Congo. Nous sommes les gens qui sont en tant que. Tant que. Nous sommes les gens qui sont en colonisation. Yamanoko. Tant que. Nous sommes les gens qui sont occupés. Tant que mutu oyo nana longwe na pouvoir te mboka na biso ezana na indépendance. Notre pays n'est pas indépendant. Alors moi je dis joyeux 57e colonisation, jour de colonisation dans notre pays, car notre pays n'est pas indépendant. On est toujours sous la colonisation. Thank you.